Bonjour. Bonjour. Vous allez bien, j'espère. Ça va bien. Comme vous me connaissez déjà, je suis l'avocate de votre famille. Et ma présence devant vous ce matin, c'est d'abord vous présenter mes sincères condoléances, que l'âme de M. Tonkara repose en paix et que la terre lui soit légère. Amen. Amen. En plus, vous faire la lecture du testament qu'a laissé votre défunt mari. Et je prie tout en chacun de garder le maximum de silence pour bien écouter. Merci. Il est dit dans ce testament, je sous-signe Elhadj Mamadou Tonkara, né le 15 mars 1940 et domicilié à Conakry dans le quartier Kamaël, prend les dispositions testamentaires. Je confirme les successions légales. Je lègue à Bintou, ma deuxième épouse, la villa que j'ai construite à Lambagne, plus les trois voitures qui y sont. À ma première épouse, Kadi, la maison dans laquelle elle habite actuellement. À mon unique fils, Ahmed, tout le reste de mes biens, y compris mes parts d'action que j'ai dans la compagnie Tunks Group, plus la somme de 500 000 dollars qu'il pourrait s'approprier après ses études, bien entendu. Quoi? Oui. Comment? C'est pas compliqué. Je suis la patronne. Je suis au crâne. Toutes les autres sont mes bonnes. Non. Bébé Tunks m'a prouvé que je suis sa bolokata. Enfin, la bolokata, c'est moi. Tu devais avoir honte de toi, Bintou. Tu devais avoir honte. Quand je pense à l'état dans lequel tu laissais ton soi-disant mari pour vagabonder les quatre coins de la rue, et voilà mon mari, mon bébé, hey, mon bébé. Si tu n'as pas honte, Kadi, il faut tu avoir la peur fermes. De Dieu. Tu la fermes. Il faut avoir peur tu la de fermes, Dieu, je dis. Tu penses et que je ne suis pas au courant? Quand tu racontes à tout le monde que bébé Tunks avait une maladie mentale, moi, toi, et j'en suis sûre et certaine, c'est ta sorcellerie qui l'a poussée à la mort. Bintou, moi, sorcière. Toi, sorcière. Moi, sorcière. Même en te voyant, on sent que tu es une sorcière. Écoutez, mesdames, calmez-vous. Votre mari s'est suicidé, c'est vrai. Mais n'oubliez pas qu'il répondait de toutes ses facultés physiques et mentales lorsqu'il écrivait ce calmez-vous. Testament. En tout cas. Alors, je vous prie de vous calmer et de bien vouloir respecter sa dernière volonté. Je suis bien d'accord avec vous, madame. Mais cette dévergondée-ci n'a jamais été là pour mon mari. C'est moi qui ai tout fait jusqu'à ce qu'il a... Tu n'as rien vu d'abord. Calme-toi, madame. Maman, je sais. Je connais l'histoire, s'il te plaît. Maman, ah, maman, tu es là? Je suis là, Ahmed. Qu'y a-t-il, maman? Ah, Ahmed. Quand je pense à toute cette souffrance que j'ai endurée avec ton père, Ahmed, la maison pour laquelle j'ai puisé l'eau de la construction. Oui, et maintenant que tout revient à cet opportuniste de Bintou, Ahmed. Calme-toi, maman. Ton papa ne t'a rien laissé, Ahmed. Oui, t'imagines sais, comment moi je vais faire. Calme-toi, arrête de pleurer. Ton papa ne t'a même pas laissé une voiture en feu de soupe. C'est pas grave, maman. Voilà c'est qu'on se retrouve à la case départ. Et peut-être que papa t'a laissé cette maison en guise de votre souvenir d'amour. S'il te plaît. Je suis d'accord avec hein? Ahmed. Pas, tu m'avais une fois dit aussi que c'est ici que je suis né, non? Bien sûr, Ahmed. Voilà. N'oublie pas combien de fois vous vous êtes aimé. N'est-ce pas? Bien donc, sûr, s'il te plaît, calme-toi. Et en plus, tu m'avais dit que c'est ici que je suis né, non? Bien sûr, Ahmed. Voilà, s'il te plaît, essuie tes larmes, maman. Essuie tes larmes. Ici, c'est la maison où papa a voulu que nous soyons. C'est ici que je suis né. Voilà, Folor, vous n'avez rien vu d'abord. C'est pas toi qui voulais aller étudier, je ne sais où. Tu es arrivé. Attendez. Hey, tu la fermes. En plus, ton argent là, c'est bel et bien écrit. C'est après tes études. Gaïe, espèce de famille mentale que vous êtes. Ça va, mon cœur? Ça va bien. Ça va, tu m'as manqué? Ça va, Dieu, merci.
comment? Ça va, ça va. On y va à la maison? Allez, merci bébé. Sinon, tu as retardé. Ah bébé, avec les embouteillages, c'est pas facile. Ouais, j'avoue quand même. Il y a trop de chambres, de partout. Ouais, j'ai un petit peu. C'est quoi ça? Franchement, franchement. Pas de bisous, toi. Mais c'est quoi ça? Tu es aveugle? Pourquoi je l'arrête devant moi? C'est qui celui-là? Il y a un problème ou quoi? Je sais pas. Non, 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 je ne vais pas vous accepter ça. Vous pouvez venir ici comme vous voulez, mais accompagné d'un homme plus jamais. Au vivant de papa, je vous laissais faire, vu son état de santé mentale qui se dégradait. Et au moment de votre veuvage aussi, je vous laissais faire, parce que je ne voulais pas de malédiction. Malédiction là, tu l'as. D'accord. Tu peux dégager. Mais. Je dis dégage. Tu es malade, mais tu ne touches pas. Sinon, tu ne touches pas. Sinon, tu feras quoi? Mets toute ma patience à la limite. Tu ne touches pas à mon fils. Toi et ton fils, vous allez le regretter. Respecte-toi, Mad Max, que vous êtes. Respecte-toi. Mais attends, vous aurez de mes nouvelles. Ma patience à la limite. Vous aurez de mes nouvelles. Ça va pas, bro, ça va pas. Mais qu'est-ce qui se passe? Dis-moi. Ça dès que j'ai vu ton SMS, j'étais un peu effrayé là. C'est quoi? Ça va pas, bro, ça ne va pas du tout. Mais qu'est-ce qui ne va pas? Raconte. Si je te dis que le vieux, il ne m'a rien laissé, est-ce que tu vas me croire? Non, tu rigoles, bro. Il ne peut pas faire ça, le vieux. Pourquoi rigoler? Le vieux, je te dis qu'il ne m'a rien laissé. Ça veut dire que notre voyage sur le Maroc, c'est annulé, quoi. Normalement, chacun devait avoir 50 briques, non? Oui, c'est ça qui était prévu, mec. Alors, c'est dans l'eau, man. Ça, c'est dans l'eau. Putain. Tu sais, le vieux, qu'est-ce qu'il me dit? Que sauf après mes études. Non, c'est incroyable. Donc, c'est quoi le projet, maintenant? C'est toi. C'est toi qui trouves toujours une solution, non? Putain. Donc, c'est pourquoi je t'ai écrit, d'ailleurs. Parce que tu as toujours une solution. Non, pas de problème. Non, tu vois? Donc... Un truc ici qui va nous faire planer. C'est quoi ça, bro? Non, tu prends ça et puis tais-toi. C'est quoi ça? Ah, c'est ce que tu as eu là-bas? Tu sais. Ah, ok. Mais j'espère que ça va me faire du bien. Eh, hein. ça va te faire du bien. Ça va te donner chaud. Quoi. Attention, bro. C'est de la bonne, hein. Bro, c'est quoi ça? Oui, tu as raison, hein. Bro, oui. Ça, c'est de la bonne, tu as raison, hein. Vraiment la bonne, ça fait planer, ça te fait oublier tous tes soucis. Ah bon? Me trouve dans les coins, dans les coins des boutiques ici, là, côté à proximité, oui. Mais il faut connaître le code, hein. Ah, ok. Sinon, pour avoir ça, c'est pas... Qu'est-ce que je dois dire quand je passe là-bas? Non, tu dois dire que... Ok, je comprends. Les potes, c'est quoi? Arrêtez de vous comporter en irresponsable quand même. Qu'est-ce que c'est vous quoi foutez? C'est quoi ton problème à lui? Laisse-lui. C'est qui? C'est toi qui l'envoie ici? Mais bro, tu en veux un peu? Non, s'il te plaît, j'ai pas besoin de ça. Mais bro, pourquoi tu es là à nous déranger? Hein? Tu veux conseiller qui? Alors va dans les mosquées, man. Arrête de nous déranger ici. Si tu veux vraiment conseiller quelqu'un, c'est dans les mosquées que tu dois aller. Parce que moi, je connais la vie mieux que toi. Hein? Et puis d'ailleurs, si on me demandait de choisir entre toi et ce truc-là, tu seras étonné de ma réponse. D'ailleurs, hein, quitte devant moi, vas-y, va-t'en. Toi, Ahmed, tu sais que tu es fils unique. Ta mère était fière de toi. Je m'en fous. Alors, reprends-toi, s'il te plaît. Allume ça, va, allume ça. Va, va là-bas. Il n'y a pas de problème, moi je me sauve. Hein. Il n'y a pas de problème. Ka! Ka!
Kana. Kana, please. Mais man, tu m'as sauvé, hein. Tra. Man. Je... Dol. Dol. Moi, je prends du cas. Kana, bis. Non, où tu vas, man? Hein? Voilà. On va là-bas, non? Tramadol. Canap. Attends-moi, man. Attends. On va aller. C'est quoi, ici? Hein? Quoi? Il faut me donner un peu de ça, man. On va prendre. Non, non. Mais. Ahmed! C'est qui, lui? Qu'est-ce qui est arrivé, Ahmed? Ahmed! Thank you.
C'est les guides qui font ça. Venez, on va aller, venez, c'est venez. C'est les guides qui font ça. C'est les guides. Dès qu'ils font ça, il va mieux. Vous voulez aller? Venez. Sinon tu vas trouver mon cadavre là. Ok. Maintenant, ça c'est la c'est une famille de fous. Kadi, bientôt ton tour. Bientôt j'aurai de tes nouvelles. Espèce de famille Mad Max que vous êtes. Tu n'as rien vu, hein? Bientôt j'aurai de tes nouvelles. Alors. Que s'empirer ma copine. Depuis que tu as quitté jusqu'à présent, ça ne va pas vraiment, ça ne va pas du tout. Donc la dernière solution n'a pas marché? Pas du tout. Tu sais, sur la route du marché, je parlais de toi à des amis. Lorsque M. Ancosti est venu vers nous pour nous expliquer qu'il y a bien une solution au problème d'Amet. Ah, vraiment. Certains me disent que c'est des djinns, d'autres me disent que c'est des sorciers, y compris toi. J'ai fait tous les. J'ai marché près de tous les féticheurs de la ville, les marabouts, mais rien ne marche. Là, je suis complètement ruinée. Je n'ai plus rien. Je suis devenue la risée de tout le quartier. J'ai trop souffert de stigmatisation, Ram. Je sais, ma copine. En ce moment, je n'étais pas informée. À présent, je suis rassurée. Elle nous a dit qu'on ne peut guérir un tel cas de maladie que dans les hôpitaux. Quoi? Oui. Dans les hôpitaux? Effectivement. Jamais. J'ai appris qu'on maltraite trop les malades mentales là-bas à l'hôpital. Non. Je ne peux pas laisser mon fils aller là. Ce n'est pas du tout le cas. Ce n'est pas le cas. Elle nous a parlé de l'unité de santé mentale du ministère de la Santé et du centre hospitalier de Douanka où on peut trouver des psychiatres spécialisés qui œuvrent dans ce sens. Tout cela est trop beau pour être vrai là. Tu ne trouves pas? Pas du tout. Rassure-toi, Rama, qu'il y a même des ONG et des cabinets médicaux pour cela. Regarde, il m'a donné les différentes cartes de visite pour te rassurer. Ahmed est ton unique fils, donc ne rate pas cette occasion pour le sauver. Il a un bel avenir. Ça paraît intéressant quand même. Je m'en vais tout de suite chercher là. Et Ahmed, on va aller. Pas de soucis, donc je te prie. Mm-hmm.
Oui, man. Comment ça va? Ça commence. Comment ça va, l'homme de l'air? Ok. Ça va? Oui. Maman, je te connais pas là. T'es du quartier là? Oui, je suis de ce quartier là. D'accord. Okay. C'est de la bonne? Oui, c'est de la bonne. Je m'en vais. Comment vous voulez? Je vais pour 10 000. C'est combien le produit? De 2 à 10 000. Je m'en vais. Pour l'argent. T'es sûr que c'est de la bonne? C'est de la bonne. Comme ça, je vais. Il le repère. Oh, attrapez-le! Faut neutraliser! C'est le microbe du quartier! Mais j'ai rien fait, laissez-moi! Vous n'avez pas le droit de parler, ça va, un avocat? Laissez-moi! Mais c'est quoi, j'ai rien fait! Le microbe du quartier! J'ai rien fait! Son sac! Faut prendre son sac! Mais j'ai rien fait! Laissez-moi! Laissez-moi! Mais laissez-moi, gros! Laissez-moi! Je sonnais tout à l'heure, tu n'as pas entendu. Tu peux m'ouvrir la barrière, je vais rentrer. Je peux vous aider, madame. Oui, c'est à m'ouvrir la porte. Vous êtes sûr que c'est la bonne adresse? Non. Si c'est toi, tu es aveugle là. Moi, je ne le suis pas. Ouvre-moi la barrière, je vais rentrer. Madame, rectificatif, cette adresse appartient désormais à ma patronne, madame Georgette Williams. Non, peut-être sûrement on n'a pas dit le nom de la patronne, t'as pas expliqué c'est qui ta patronne. C'est moi ta patronne. Les habits que tu portes là, c'est grâce à moi. Donc ouvre-moi la barrière. Madame, je vous parle que cette propriété appartient désormais à ma patronne, madame Georgette Williams. D'accord, tu peux m'appeler Kofi, bébé Kofi s'il te plaît. Parce que là j'en ai ma dose, tu peux l'appeler pour moi? Pardon, je vous demande pardon. Bébé Kofi, tu peux l'appeler? Tu comprends pas? Non, madame, il n'y a pas de bébé Kofi ici. Le jeune de teint clair, je parle de lui. Madame, ce même bébé Kofi dont vous faites allusion, il s'appelle M. Gion. Et c'est ce dernier même qui a vendu cette propriété à ma patronne, madame Georgette Williams. Et pour votre information, ce même encore M. Gion vient de prendre son vol il y a juste à peu près 7 heures du temps, car il s'est remarié avec sa nouvelle femme. Il est même en instance de voyage. Monsieur de Tinclair, géant de taille. Madame, c'est de ce même monsieur dont je vous parle. Madame, je vous dis ce même monsieur Kofi. Et il m'a aussi laissé en guise de souvenir cette bague-là. Mes documents, ma maison. Hey! Quelle histoire, ça? Kofi! Kofi! Oh! Bébé Kofi va venir me marier. Toi, t'es fou! T'es fou, tu n'as rien compris! Bébé Kofi va venir, on va faire le mariage. Le mariage va faire. Tu veux de moi? Mon amour? Kofi, oh, il est malade ce gars-là. Kofi, oh, Kofi! Kofi, oh. Kofi, viens, maman, bébé. Tu sais, je t'aime, car. Hé, hey, on regarde pas mon bébé. Monsieur. Tu veux pas me venir? Tu veux pas m'embrasser? Hein? Ok, franchement, je suis fâchée. Je suis partie. Je veux même plus de toi. Tu vas rentrer là. Kofi! 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 Kofi